L'application la plus courante du calcul différentiel, c'est l'optimisation d'une fonction. En général, on essaie d'optimiser des fonctions qui contiennent plus qu'une variable, mais on va commencer par parler du cas où il y a seulement une seule variable. Plus tard, au chapitre 10, on verra comment on optimise des fonctions à plus d'une variable. Donc, on suppose qu'on a une fonction f de x, la courbe de la fonction, puis un point spécifique. Si la dérivée de la fonction à ce point-là est positive, ben la courbe, elle est croissante près du point en question. Vous remarquez ici, si je me retrouve avec une dérivée positive, ça veut dire que la pente de la droite tangente est positive. Puis si la fonction se comporte bien, alors si elle se trouve à être différenciable, j'ai pas le choix, il faut que dans un petit voisinage, la fonction soit au moins croissante, qu'elle augmente lorsque la valeur de x augmente. Ça pourrait que plus tard, la fonction devienne décroissante, mais ici, on est loin du point x est égal à a. Fait que cette propriété-là, qui nous dit que si la dérivée à un point est positive, la fonction est croissante près du point, c'est une propriété locale. Ça parle de ce qui se passe près d'un point intéressant. Alors vous voyez dans l'autre exemple que je vous ai donné à côté, la fonction était croissante près du point, puis là, ben, éventuellement, elle se retourne puis elle devient croissante. Ce n'est pas un problème, ça veut juste dire qu'on est trop loin du point, la localité a été perdue. C'est normal, ça pourrait se produire. L'envers de la médaille, c'est d'avoir des fonctions décroissantes. Si la dérivée est négative à un point ici, ça veut dire que la pente de la droite tangente est négative, donc la droite tangente est décroissante, puis dans un petit voisinage. On s'attendrait à ce que la courbe soit décroissante. Elle peut être décroissante plus loin aussi, mais on peut seulement parler avec certitude de ce qui se passe près du point x est égal à a, comme c'est le cas dans l'autre exemple qu'on vous donne ici. Éventuellement, il se pourrait que la fonction commence à devenir croissante, mais près du voisinage, ou près du point, dans un petit voisinage, la fonction va être décroissante. Fait que là, ça vous dit ce qui se passe quand la droite ou la dérivée est positive et quand elle est négative, quelles sont les autres alternatives? Ben, si c'est ni positif ni négatif, il se pourrait que la dérivée soit égale à zéro. Dans ce cas-là, on a une droite tangente qui est horizontale. La pente est nulle. Les points où la fonction passe de croissant à décroissant ou vice-versa, on les appelle les extréma locaux de la fonction, les valeurs extrêmes. Si on passe de croissant à décroissant, on a un maximum local. Si on passe de décroissant à croissant, on a un minimum local. Puis il y a juste deux façons dont ça peut se produire. Ça se peut que la dérivée soit égale à zéro, comme on en a discuté tout à l'heure, ou il se pourrait que la dérivée n'existe pas. C'est-à-dire que la pente de la droite tangente n'est pas définie. Regardons la courbe suivante. On est capable d'identifier les maximums et les minimums locaux parce qu'on reconnaît, ben, j'ai ce truc-là ici, un point. J'ai un point qui va être un minimum local. J'ai un point qui est un maximum local. Minimum local. Maximum local. Puis c'est tout. Est-ce qu'on peut aussi identifier les points sur la courbe où la dérivée est nulle, puis où la dérivée n'existe pas? On se rappelle que la dérivée est supposée nous donner de l'information au sujet de la droite tangente. Regardez ce qu'on a. Une droite tangente nulle, droite tangente dont la pente est nulle. Ici, il y a plusieurs droites tangentes, fait que la dérivée n'existe pas. Ici,
la droite tangente à une pente nulle. Ici, j'ai plusieurs droites tangentes possibles, fait que la dérivée n'existe pas. Là, il y a un point qu'on a oublié. Quand on a oublié de tracer la droite tangente, il y a un point critique ici. Puis il y a un autre point spécial, ce point-ci, où la droite tangente, elle est verticale. Une droite tangente qui est verticale, on ne peut pas l'écrire sous la forme y est égal à mx plus b. Ça ne marche pas. Il faut l'écrire sous la forme x est égal à a parce que la pente, la droite tangente, elle est indéterminée. Par ça, on sous-entend que la pente, ça serait l'infini positif ou négatif, mais en général, on va juste dire l'infini. On n'a pas toujours un maximum ou un minimum là où la pente est nulle ou là où la pente n'existe pas. Ces deux exemples où la pente n'existe pas, puis il n'y a pas de maximum et de minimum. Je vais vous tracer un autre exemple ici où la pente est nulle. Il n'y a pas de maximum et de minimum. Mais si on est pour avoir un maximum ou un minimum, il faut que ça vienne à un de ces points-là. En général, si vous avez une fonction continue, elle va admettre un mix maximum local, soit minimum, soit maximum, à un de ces points-là. Il y a plusieurs des points qui ne sont pas nécessairement, comme je vous ai mentionné, des maximums, des minimums locaux. Quand vous trouvez une valeur du domaine où la dérivée est nulle, où la dérivée n'existe pas, ben, on appelle cette valeur-là le point critique ou un des points critiques de la fonction. Dans le cas où vous vous intéressez à une fonction qui est continue, mais qui va d'un intervalle fermé dans les réels, quand vous cherchez les extrémas globaux, les valeurs maximales, minimales, globales, vous devez aussi inclure les extrémités de l'intervalle dans votre recherche. C'est seulement vrai, bien sûr, si vous avez une fonction qui va d'un intervalle fermé. Comment est-ce qu'on les trouve, ces extrémas globaux? Valeur maximale, valeur minimale, c'est super simple. On commence par trouver tous les points critiques de la fonction dans l'intervalle. On va aussi évaluer la fonction aux points critiques qu'on a trouvés en première étape, mais en plus aux valeurs limites de l'intervalle A et B. Puis là, la plus petite valeur ou la plus grande valeur que vous obtenez parmi toutes les valeurs à l'étape 2, ça va être le maximum ou le minimum, le dépendant global de la fonction. Il n'y a pas d'autre possibilité. C'est seulement vrai si votre fonction f, elle est continue. En partant, c'est important. On va enregistrer ici. Là. Et si votre fonction est définie sur un intervalle fermé. Si vous continuez en mathématiques, vous allez apprendre que la partie importante ici, c'est si cet ensemble-là, il est compact. Mais pour les besoins de notre cours, c'est pas important. Compact, ça veut dire quelque chose de spécifique en mathématiques. Alors, comment on s'y prendrait, par exemple, pour trouver les valeurs maximales globales, valeurs minimales globales, les deux fonctions suivantes. Je vous rappelle la marche à suivre. Vous commencez par trouver tous les points critiques dans l'intervalle qui nous intéresse. Ici, on vous dit que c'est entre 0 et 2 dans le premier cas, puis ici, c'est plus grand que 0. Faites attention ici, il n'y a pas de limite supérieure. Cet intervalle-là, il est seulement fermé dans une direction. Fait qu'on ne peut pas s'y prendre exactement de la même manière. Une fois qu'on a fait ça, on évalue la fonction au point critique dans l'intervalle, puis aux valeurs limites de l'intervalle, puis on prend la plus grande valeur ou la plus petite valeur. Et c'est ça qui nous donne les valeurs maximales, minimales, globales. Bon, ben la dérivée de la fonction f, elle est facile à calculer, c'est un polynôme. Fait qu'on fait la dérivée
calcule la dérivée du polynôme, on se retrouve avec ça. Là, quand vous trouvez les points critiques, rappelez-vous, on cherche les instances ou les endroits où cette dérivée-là va être nulle ou encore où elle n'existe pas. Elle n'existe pas si on est en train de diviser par zéro, si on prend la racine carrée d'un nombre négatif. Puis elle va être égale à zéro quand, ben, quand la valeur ou l'expression de la dérivée est égale à zéro, on la trouve plus facilement lorsqu'on fait la factorisation de la dérivée. Fait que voici le calcul de la dérivée. X cube, ça devient 3x carré. Moins 3x carré, ça devient moins 6x. 3x, ça devient 3. Puis moins 1, ça devient 0. Il y a un facteur commun de 3. On le met en évidence. Je me retrouve avec x carré moins 2x plus 1. Puis là, je reconnais ça comme étant le carré parfait de x moins 1. Fait qu'il faut savoir factoriser. C'est important. Quand est-ce que c'est égal à 0? C'est égal à 0 quand 3 fois x moins 1 carré est égal à 0, c'est-à-dire quand x moins 1 est égal à 0, puis c'est quand x est égal à 1. Fait qu'il y a un seul point critique, le point critique x est égal à 1, puis il est effectivement dans l'intervalle formé par les bornes, 0, 2. Fait qu'on garde ce point critique-là, on rajoute les bornes 0 et 2, puis, on va aller calculer la valeur de la fonction, ces trois points-là. Je vous rappelle ici, ce que vous cherchez à calculer, c'est la valeur de la fonction, pas la valeur de la dérivée. C'est pas ça que vous voulez, là. La valeur de la fonction originale. Fait que si vous remplacez, vous substituez x par 0 dans x à la 3, moins 3x au carré, plus 3x, moins 1, vous allez obtenir moins 1. Si vous remplacez x est égal à 1 dans la fonction, vous obtenez 0. Puis si vous remplacez x est égal à 2 dans la fonction, vous avez 1. Là, j'ai tracé le graphique de la fonction qui m'intéressait ici. Là. Ça, c'était f de x. Si vous savez tracer le graphique, c'est facile de trouver le maximum et le minimum. Mais en général, on ne saura pas nécessairement tracer le graphique. On dit que ça peut prendre trop de temps. J'ai pas le choix. Le minimum, c'est moins 1. On l'atteint quand x est égal à 0. Le maximum, c'est 1. Il est atteint quand x est égal à 2. Minimum global, maximum global. Puis ici, j'avais un point critique. Mais c'est un point critique où j'ai pas de maximum ou de minimum. C'est juste un endroit où la pente, la droite tangente est nulle. Là, vous allez me dire, ouais, mais ça dépend de l'intervalle qu'on a pris. Si j'avais pris des bornes qui n'étaient pas 0 puis 2, j'aurais obtenu des réponses différentes. C'est vrai. Supposons que vous aviez décidé de travailler avec cette fonction-là, là, qui continue ici, puis qui continue là. Vous vous intéressez aux bornes, admettons, je sais pas moi, 2,5, puis moins 0,5. Votre minimum et votre maximum, il serait obtenu à des points différents. Mais le point critique demeurerait le même. Ça ne change pas. Considérons l'autre fonction. Là, il faut calculer sa dérivée. C'est pas un polynôme, mais c'est une fonction algébrique avec des puissances. Puis on est capable de calculer la dérivée de la même façon en se servant de la règle de dérivée des puissances. Okay. Fait qu'on dérive le premier terme, ça nous donne 5 fois x à la 2 tiers. Le deuxième terme, ça va faire moins 10 fois x à la moins 1 tiers. Et là, il faut quand même essayer de faire la factorisation. On commence par mettre en évidence un terme 5. Il me reste ce truc-là. OK. Je suis en train de diviser par quelque chose, là, ça vaut la peine de demander est-ce qu'il y a des instances où je suis en train de diviser par 0? Ben, si x est égal à 0, je divise par 0 ici. Fait que la dérivée n'existe pas. Puis c'est un point critique parce que la dérivée n'existe pas en 0, mais g de 0 existe. C'est un point du domaine, ça compte comme un point critique.
L'autre alternative, l'autre truc, c'est de trouver les instances ou les points où la dérivée est nulle. Ben, quand est-ce qu'elle est égale à zéro, la dérivée? Elle est égale à zéro, comme je l'avais écrit ici, quand le terme à l'intérieur est égal à zéro. C'est-à-dire, si je renvoie ce terme-ci de l'autre bord, quand x à la 2 tiers est égal à 2 fois x à la 1 tiers, puis là, ben, je renvoie le x à la 1 tiers de ce bord-ci, je me retrouve avec x est égal à 2. Fait qu'il y a deux points critiques. X est égal à 0, puis x est égal à 2. On va trouver les points critiques qui se trouvent à l'intérieur de la région d'intérêt, sauf que il n'y a pas de borne supérieure ici. J'ai pas de B. Le B, ça serait l'infini. Fait que je peux pas me servir de la marche à suivre que je vous ai donnée. Il y a d'autres trucs que je peux faire, par exemple. Je peux prendre le temps de tracer le tableau des signes. En x égale à 0, la dérivée n'existe pas. On l'a déjà trouvé. En x égale à 2, la dérivée, c'est nul, on l'a déjà trouvé. Puis là, ce qui se passe, c'est qu'on va prendre un chiffre, un nombre x entre 0 puis 2. Peut-être que vous prenez x est égal à 1, par exemple. Puis vous allez substituer ça dans la dérivée pour obtenir le signe de la dérivée. Ben, si vous remplacez x par 1, ça va vous donner un g' qui est négatif. Négatif, ça veut dire que sur l'intervalle entre 0 puis 2, la fonction va être décroissante. Ensuite, vous prenez un chiffre plus grand que 2. Peut-être que vous prenez x égale 3. C'est un représentant des signes sur l'intervalle. Vous substituez x est égal à 3 dans la dérivée. Vous obtenez le signe qui est positif, ce qui veut dire que la fonction, elle est croissante. De là, on peut en conclure qu'à x égale à 2, c'est un minimum local parce que ça passe de décroissant à croissant. Minimum local, pas nécessairement minimum global, mais ça se trouve que ça l'est dans ce cas-ci. Parce que la fonction est décroissante sur 0,2. On l'a calculé ici, là. Cette dérivée-là est négative partout sur 0,2. Fait que ce que ça nous dit, c'est que la valeur de la fonction doit être plus grande que la valeur à 2 partout sur l'intervalle 0,2. J'ai pas le choix. Sans ça, la fonction ne serait pas décroissante. S'il y avait une valeur de la fonction qui était plus petite que la valeur à 2, mettons que ça c'est la valeur à 2 ici, je sais pas, mettons que c'est ici, mettons qu'il y avait une valeur de la fonction qui était plus petite, la valeur à 2, peut-être qu'elle était ici, ben, pour pouvoir me rendre là, avec une fonction décroissante, il faudrait qu'éventuellement, elle change de bord, puis là, la fonction serait croissante, elle serait plus décroissante. Alors que sur tout l'intervalle qui est ici, la fonction est supposée être décroissante. Fait qu'il peut pas avoir un point plus bas que celle-là, sans ça, il faudrait qu'elle soit croissante. Fait qu'OK, c'est vrai pour les fonctions continues, là. C'est OK. C'est un minimum. En tout cas, il ne peut pas avoir rien. La valeur de la fonction est plus grande que la valeur à 2 partout sur 0,2. Puis on a le même argument qui dit, écoutez, vous n'avez pas le choix. La valeur de la fonction doit être plus grande que g2 partout ailleurs sur l'intervalle à partir de 2, je veux dire, de 2 à l'infini, parce que la fonction elle est croissante sur l'intervalle plus grand que 2. Il peut pas avoir de point où est-ce que la valeur de la fonction serait plus petite que 2, parce que je me retrouverais maintenant avec un truc qui ressemble à ça, mettons que ma valeur de la fonction est à 2 ici, s'il y a un point quelque part plus grand où est-ce que la valeur de la fonction est plus petite, c'est supposé être décroissant, c'est supposé être croissant, ben comment qu'on fait pour se rendre là? Pour me rendre là, j'ai besoin que la fonction soit décroissante. Elle l'est pas, on a trouvé que la fonction était croissante sur cet intervalle-là. Plus tard, on va parler des intervalles de croissance. Ça va peut-être être un petit peu plus clair. Évidemment, ça fonctionne seulement, ce que je vous dis, si la fonction est continue. Fait que vous pouvez montrer qu'indépendamment de la valeur de x que vous choisissez, la valeur de la fonction va être plus grande que la valeur à 2. Fait que il y a un minimum global en x est égal à 2. Mais ça, ce n'est pas un argument
qu'on fait en servant la marche à suivre qui est ici. C'est un argument qu'on fait en pensant ce que ça veut dire d'avoir une fonction continue, puis ce que ça veut dire d'avoir une fonction décroissante sur un intervalle, puis croissante sur l'intervalle. Et il faut absolument comprendre pourquoi on peut en conclure que la fonction est croissante partout sur l'intervalle. C'est pas compliqué. Supposons qu'elle finissait par être décroissante. Ça pourrait seulement arriver après une asymptote verticale, dont on va discuter plus tard. On n'a pas encore parlé. Ou encore un point critique. Puis il n'y en a pas de point critique puis d'asymptote verticale. Ce sont toutes des points réguliers qui viennent après x égale à 2. Fait qu'elle ne peut pas redescendre. Il faut qu'elle reste croissante. Ben voici le graphique de la fonction en question, puis vous voyez effectivement que quand x est égal à 2, il y a un minimum. On avait trouvé que la dérivée n'existait pas en x égale à 0 parce que la droite de la pente de la droite tangente ici est nulle. Puis on peut en conclure qu'il n'y a pas l'air d'avoir de maximum global. Hein? La fonction a l'air de croître sans jamais s'arrêter. Fait qu'il y a un minimum global ici. Il y a un point critique ici qui ne correspond pas à un minimum ou un maximum, seulement un endroit où la droite tangente est indéterminée, parce que la droite tangente est verticale, puis il n'y a pas de point maximum parce que cette fonction-là continue de croître sans jamais s'arrêter.